Stéphanie, vous vous qualifiez après avoir été menée 5-2 dans la première manche. Comment vous expliquez ce retour? Bah, je crois que Virginie a très bien débuté le match. C'est vrai qu'elle donne beaucoup de cadence, elle joue bien. Bah, moi, peut-être que je l'ai fait aussi bien jouer. Après, j'ai essayé un peu plus de varier, de moins donner de rythme. Donc, elle a commencé à faire un petit peu de fautes, me donner un peu plus de points. Et puis, moi, j'ai continué un petit peu à jouer mon jeu en variant, en essayant de l'embêter comme ça. Ça n'a pas été un match hyper spectaculaire, c'est toujours difficile de jouer entre Françaises. Oui, c'est sûr que c'est toujours difficile parce que surtout en dernier tour de qualif, c'est vrai qu'on a envie de se qualifier. C'est un match important et c'est dommage que qu'on joue comme ça au dernier tour de qualif. Bon, aujourd'hui j'ai gagné, tant mieux, mais c'est vrai que c'est dommage. Virginie, c'est une adversaire qui vous réussit bien, vous l'aviez déjà battue? Oui, je l'ai battue, je crois, en fin d'année dernière sur terre battue. Donc, ouais, ouais, c'est comme ça, mais bon. Non, ça veut rien dire. Alors, le tirage au sort des qualifiés vient de tomber. Vous tombez sur Srebotnik. Deux choses. D'abord, vous évitez Camille Pain, ce qui est une bonne chose parce que j'imagine qu'on n'aime pas se jouer entre Françaises à Paris, qui plus est. Et d'autre part, est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous l'avez déjà jouée? Est-ce que vous avez déjà une idée du plan tactique que vous allez avoir? Bah pour l'instant, là, je viens de l'apprendre que je joue Stribotnik, donc c'est vrai que j'ai pas trop pensé à ce match. Mais c'est une joueuse que je connais bien sûr parce que ça fait un moment qu'elle est quand même parmi les meilleures. Je l'ai jamais jouée, donc voilà, c'est un match intéressant. Mais c'est vrai que, comme vous disiez, je suis contente de ne pas jouer Camille, quoi, parce que c'est dommage de jouer au premier tour quand on sort des qualifs, de jouer une Française, une amie, c'est un peu bête. Alors, le circuit des Open Gaz de France, vous réussissez bien. L'année dernière, vous avez gagné à Biarritz. Vous en avez fait pas mal. Est-ce qu'on va vous revoir cette année à Dinan, Biarritz, ou est-ce que votre programme va être un peu différent? Ça dépend un petit peu de l'évolution de mon classement. C'est vrai que au jour d'aujourd'hui, peut-être que ouais, j'irai à Dinan et des tournois comme ça pour essayer de grimper au classement. Maintenant, si je joue très très bien et que mon classement évolue beaucoup, peut-être pas, ça dépend. Ça fait partie des objectifs cette année de rentrer à nouveau dans le top 100 et d'intégrer, pourquoi pas, l'équipe de Fed Cup. Oui, bien sûr, ça fait partie des objectifs. C'est sûr que c'est toujours un bonheur de faire partie de l'équipe, c'est génial. Donc oui, bien sûr. Ouais. Aucun pépin sur le plan physique, vous vous sentez bien et c'est ce qui pourrait aider à la progression dans l'année justement. Oui, j'ai fait une bonne préparation cet hiver, je me sens plutôt bien. Donc maintenant, il faut essayer de ne pas être blessé, c'est vrai, d'être assez rigoureux là-dessus. Donc voilà. Vous êtes toujours avec Nathalie Tauzière? Non, 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 je m'entraîne plus avec Nathalie. Maintenant, je m'entraîne à Paris avec un garçon qui s'appelle Nicolas Copin. Donc je suis à Paris maintenant. D'accord, merci. Bon, bonne chance pour la suite. Merci.